Et il y a une petite slime CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour unbox la nouvelle cam de chez Logitech, la Logitech G930. Donc je l'ai eu en réduction, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est à 50€ au lieu de 150 normalement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup voilà, c'est vraiment un point positif déjà, le prix pour l'instant il est en réduction. Bref, là je filme avec une cam, donc c'est une cam Logitech mais elle est vraiment bas de gamme. Et puis comme ça vous allez bien voir la différence, étant donné que là j'ai pas le portable de mon frère, mais là vous allez voir la différence entre là et puis genre après avec la cam que je vais unbox. Du coup voilà, ça va faire un petit test, ça va être assez cool. Bref, là vous voyez que franchement là on peut faire des mises au point mais assez bas de gamme quoi. On peut là par exemple faire ça mais après genre c'est un peu plus nul. Et celle-là elle a un champ de vision à 90 degrés, donc ça va être vraiment cool. Mettez un petit pouce bleu les mecs, puis on va ouvrir ça tout de suite. Franchement je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Je reprends la chaîne à fond là. Du coup là, si vous voulez me faire plaisir, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je compte vraiment faire beaucoup de vidéos et de live. Donc n'hésitez pas à activer les petites cloches aussi, parce que je compte vraiment faire aussi des lives où est-ce que je fais gagner des alts, des comptes Minecraft, des V-Bucks sans doute aussi. Et puis voilà. Alors voilà, la webcam de chez Logitech, la C930 comme j'ai dit, 930E. Donc voilà, la petite cam, là va être vraiment cool, franchement, va être assez cool. Du coup voici la boîte, on va l'ouvrir, puis on va voir ce que ça donne simplement. Proposez-moi en commentaire des idées de vidéos aussi sur Minecraft, parce que Minecraft ça commence un petit peu à me lasser, même si je peux en faire toujours, ça me dérange pas. Mais comme ça, au moins, bah voilà, si je peux changer, bah ça ferait du bien un petit peu à la chaîne et aux gens qui n'aiment pas Minecraft, ou du moins plus Minecraft. Ok, donc on va l'ouvrir. Voilà. Alors là, ça va être vraiment lourd. Je vais pouvoir faire des facecam, les mecs. Même si je pouvais avec l'autre. Mais je sais pas quand est-ce que je fais une facecam. Alors c'est sûr qu'aux 80 000 abonnés, j'en fais une. Quoi qu'il arrive, j'en fais une. Franchement, encore une raison de plus pour vous abonner, les mecs. Ok. On va la sortir. Le design, il pète vraiment. Vraiment, il est vraiment bien le design. Hein. On va le sortir, puis on va voir ce que ça donne. Donc ça doit être pour l'accrocher aussi. On va l'ouvrir. Ok. Déjà, le packaging, franchement, tout ce qui est genre emballage et tout, c'est bien foutu. Voilà, j'ai tout vidé. Là, je peux l'acheter la boîte. On va la balancer. Hop là. Alors, on a ici la cam, on va l'ouvrir. Ok, donc en fait, il y a des protections un petit peu là, c'est nice, ça c'est nice. Ça, ça rend un petit truc, ça donne un petit truc quand même, un petit côté genre bien foutu là, le truc, il est bien, vraiment bien clean, bien lisse. Alors ça change vraiment, rien que le design les mecs, ça change vraiment de ouf, le design que c'est vraiment cool. Et puis on va voir vraiment la caméra, si elle est bien ou pas. On va la brancher, on enlève juste ça, puis on va se retrouver tout de suite les mecs pour la tester. Je pourrais faire des lives avec et tout, ça va être vraiment le feu. Ok, déjà le fil est assez long, ça c'est un point aussi positif. Il est vraiment long le fil, c'est vraiment cool. Bref, on va la brancher, puis voilà. Moi je vous la conseille les mecs pour l'instant. Ah bah tiens, il manque ça aussi. Donc ça vraiment, allez hop, un point positif en plus. Alors là, si la caméra elle est pas de bonne qualité, gros, je comprends plus rien. On la branche, et puis on se retrouve juste après les mecs. C'est branché. Ok, du coup voilà, on va la brancher, on va la régler. Vraiment de très bonne qualité la cam. Franchement, je peux faire mes unboxings maintenant avec cette cam. Franchement, elle est vraiment cool. Là, vous regardez juste, même si on voit les bords, les mecs. Franchement, les mecs, la cam, elle est vraiment lourde. Regardez, genre, la fluidité, c'était pas pareil avec l'ancienne. On peut le voir directement. Je suis sûr, la mise au point, elle se fait très vite. Voilà, je le dis, les mecs. La mise au point, elle se met très vite. Je vais mettre ça tout de suite, puis on se retrouve juste après. Mais là, pour l'instant, je suis conquis, les mecs. Là, clairement, la qualité de la cam, c'est oufissime. Donc voilà, la qualité en 30 fps de la cam. En 1080, 30 fps. Là, clairement, bah, je vais l'utiliser H24. Pour faire mes unboxings, là franchement je suis conquis. Vraiment très cool la cam. Voilà, donc on voit bien le 90 degrés de l'angle. Voilà les mecs, je l'ai mis en 60 fps 1080, franchement je kiffe vraiment la qualité. Pas pour faire genre, mais là je kiffe vraiment. C'est vraiment très cool, on peut faire des mises au point de malade comme ceci. Normalement c'est en 60 fps et c'est vraiment cool pour faire des vidéos. Franchement c'est très nice pour faire mes unboxings. Je vais utiliser ça H24, c'est vraiment très cool les mecs. En tout cas voilà, moi je suis conquis par la nouvelle cam de chez Logitech. Mettez un petit pouce bleu pour aider la chaîne et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je compte vraiment ouvrir plein de produits en ce moment. J'ai plein de produits à ouvrir, plein de trucs à exploser et tout. Donc franchement faites-le, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Très important les mecs, abonnez-vous. Et j'ai mis de la pâte à fixe pour la tenir aussi. Mais genre ça c'est vraiment genre le truc bas de gamme quoi. Vous avez vu, genre c'est vraiment le truc bas de gamme. Alors que là maintenant vous avez un truc de malade qui fait de la putain de qualité, franchement je kiffe. Le lien est dans la description si vous voulez l'acheter les mecs. Le lien Amazon, sans doute que ça sera en réduction, donc vous gagnerez 100€ si vous la commandez. Bref, voilà, moi je vous laisse, c'était super en tout cas. J'ai découvert un super produit, je l'utiliserai beaucoup de fois. Du coup on va partir en jeu, faire une petite game et mettre la handcam. On va voir ce que ça donne, voir si la handcam est mieux qu'avant ou pas. Du coup là, on se retrouve pour faire une petite game sur Funcraft tout simplement les amis. Ok, donc les mecs, je suis en handcam et on va tout simplement lancer une petite game pour voir comment ça se passe et pour voir si c'est bien ou pas. Du coup let's go, on va lancer une game. On se met en slash nick et on va tester un petit peu bah, la qualité de la caméra en handcam. Franchement je kiffe, clairement je kiffe les mecs, je vous le dis honnêtement. Je kiffe la cam, tous les liens sont dans la description si vous voulez l'acheter. Elle sera en réduction donc ce sera quand même une belle offre. Au lieu de payer 150€ vous payerez 59€ je crois, je suis pas sûr. Mais bref, profitez-en si vous avez besoin d'une webcam, ça pourrait être intéressant. Et j'hésite vraiment à montrer IRL les mecs, en sachant qu'en avril je vais partir en vacances pendant une semaine. Et j'aimerais bien faire des petits vlogs parce que genre ça peut être vraiment cool. J'aimerais vraiment vous faire des vlogs, mais par contre j'ai pas les thunes pour acheter une caméra et tout le bordel avec. Une bonne caméra je parle, genre je parle pas d'un...
d'un truc. Bah après je dis pas que c'est de la merde, mais genre je préfère investir dans une grosse caméra que dans une petite. Et j'aimerais vraiment vous filmer plein de trucs que je fais, genre par exemple quand j'ai monté la table là, bah genre des espèces de petits vlogs en fait, mais que je puisse prendre la caméra et bouger dehors et faire des trucs what the fuck et tout. Clairement j'aimerais trop faire ça. Mais bref, j'ai essayé d'utiliser l'argent que je produis grâce à YouTube et au live pour simplement acheter une caméra. Mais il faut vraiment que j'attende parce que je me fais pas 1000€ par mois, du coup faut que j'attende un petit peu. Mais le mec! Et franchement ça commence à me lasser un petit peu le rush. Enfin ça fait un moment que ça me lasse, c'est cool tu vois, mais c'est toujours la même chose. Genre ils sortent pas de nouveaux jeux. Ok bah nice. Je fais souvent de live maintenant, je vais faire gagner plein de comptes Minecraft ainsi que des clés Steam, des comptes Spotify Premium. Donc n'hésitez pas à venir le soir, j'en fais gagner pas mal par soir. Et clairement bah ça peut être vraiment cool et intéressant de, pour vous de gagner des comptes Spotify, Netflix ou encore bien Minecraft. Et je regrette vraiment pas d'avoir acheté la cam, parce que clairement bah la qualité me convient tout à fait. Puis aussi je peux mettre en 60 fps et en 1080. Et je trouve ça assez cool pour faire des, par exemple des facecam. J'hésite aussi à faire des facecam les mecs. Franchement j'aimerais trop, hein, pour les lives et tout ça peut être super cool. Mais vas-y, vaut mieux que je le fasse quand j'en ai vraiment envie que je me force, voilà. Wouah les coups que je prends gros. Ok ça me casse les couilles les mecs, vraiment ça pue la merde. Bref voilà, vous avez vu la cam, je la trouve vraiment cool moi. Je l'ai utilisé beaucoup pour faire mes unboxings et quelques expériences ainsi que des handcam et peut-être des facecam. Bref voilà, c'était assez cool quand même de jouer avec. Je vais pouvoir bien voir la qualité au montage. Sur ce je vous laisse, si vous voulez l'acheter le lien est dans la description. Ou puis même aller voir son prix pour voir, pour vous donner des idées. Moi je vous laisse, c'était GX, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que je compte vraiment refaire plein de vidéos. Et puis voilà, on se dit à ce soir pour un live et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I'm a